Vous ressortez du tabac pourpre après avoir pris un bon petit déjeuner, sans avoir de pied de porc malheureusement pour Aldine. Et vous vous mettez en route vers le village de Tan, qui se trouve, comme indiqué précédemment, au sud-ouest de la région. Faites-vous quelque chose en particulier? On voyage comment? On a Absolument. une calèche Vous êtes ou à pied. quelque chose? On Non, a les merci. chevaux. On a les chevaux. Ah oui, on Je a pense les qu'on chevaux avait de nos pris les maîtres. chevaux de nos Vous aviez mentors, demandé oui. les chevaux de vos Tout à mentors, c'est fait. exact, pardon, autant pour moi. On les a pitués. Donc, il vous a préparé les chevaux, ce qui devrait raccourcir considérablement votre temps de voyage. Tout à fait. Moi, pendant qu'on est en route, je laisse un peu mon cheval guider, enfin suivre les gens qui sont dehors. Et je regarde beaucoup la broche que j'ai trouvée chez le miroitier dont j'ai oublié le nom, Philoxénos. Philoxénos. Et je regarde cette broche comme ça, je me souviens à quoi elle est associée, les contextes dans lesquels mon maître l'a portée et je pense qu'elle représentait pour lui parce qu'il ne m'en a jamais vraiment parlé. Et je suis comme ça un petit peu absorbé par cette broche. Et puis au bout d'un moment, je m'approche de Vince Cold parce que c'est toi qui avais retrouvé une pièce de ton Ouais. maître. Je m'approche de toi, enfin j'approche mon cheval de ton cheval. Et je te demande en fait, dis-moi Vince Cold, la pièce de ton maître, c'était quoi pour lui? Je ne sais pas exactement. Il ne m'en a jamais parlé. Mais je sais qu'il l'avait toujours avec lui. Que parfois il la regardait quand il était seul. Et il la rangeait toujours quand j'arrivais. Je ne lui ai jamais posé de questions dessus. Mais je trouve ça étrange qu'il l'ait laissé derrière lui. Ouais, je ne comprends pas non plus. Mon maître n'a pas de raison d'avoir laissé tomber cette broche non plus. Mais je n'arrive pas à être inquiet pour autant. Nos maîtres sont forts, on le sait. Et on ne voit pas de traces de. Je ne vois pas de traces de quelconque danger les entourant. Philoxénos a l'air d'être mort, les orques avaient été battus par eux. Et en dépit de tout ce qu'on a trouvé, j'arrive pas vraiment à les croire en danger. Moi non plus. Et je reste persuadé qu'il faut faire confiance à leur expérience. Je pense que tu as raison. Mais hâtons-nous d'aller à Tan pour suivre cette piste. Plus que inquiet, je suis curieux du mystère de la disparition de Philoxénos. Avec un peu de chance, nous rattrapons notre retard sur eux. Ils sont partis en charrette, je crois. Oui, tout à fait. Hé, les gars, vous parlez de quoi? Tu penses que ton père est en danger? Tu es inquiète pour lui? Oui, je suis toujours un petit peu, c'est vrai, mais... Je sais pas trop quoi penser. Je me prononce pas. J'ai grande confiance en lui, en son jugement. Et je pense que ça va aller. Après, c'est vrai que c'est assez inquiétant que vous deux vous y retrouviez quelque chose, mais je suis pas plus embêtée que ça. Oh, je suis fatiguée, moi. Si ma mère et moi est bonne, tu pensais que ton père était mort. La situation actuelle est déjà une amélioration. Exactement, t'as complètement raison. Putain, j'ai mal au cul. Elle est pas confortable cette selle, hein. Je sais pas comment ils ont fait. Hein. Ah, c'est peut-être une selle pour Tiflin. Ça doit pas être aménagé pareil. Je pense que c'est pour ça, c'est un peu rigide parce que là j'ai mal. Oh. Effectivement. Bien les amis, hâtons-nous. Et vous accélérez un petit peu le pas. J'ai envie de vomir. Depuis. Je crois que certains ne sont pas habitués au cheval. Non, pas trop. Et en plus, j'ai sacrément mal dormi. Pour faire du cheval. Il faut être en forme. Avant, tu n'as pas trouvé le lit confortable. Personnellement, j'ai passé une excellente nuit. Ce n'est pas le lit qui n'était pas confortable. J'ai l'habitude de dormir un peu partout, mais là, je sais pas. Je suis en proie à des mauvais rêves ce temps-ci. Ah, c'est inhabituel chez toi? Souvent, c'est quand il arrive quelque chose de pas très bien autour de moi, ou je sais pas, j'ai des angoisses. C'était un rêve que tu as déjà fait ou quelque chose d'inquiétant ou
peut-être oui. prémonitoire. Je sais pas trop. Ouais, en tout cas, c'était très important. Mais je ne sais pas trop de quel jeu c'est. Je n'arrive plus trop à dormir. Donc si parfois, quand je dors, je fais des bruits bizarres, réveillez-moi. Très bien. Mmh. Non, mais je peux comprendre ce que tu dis, mais ça doit être un manque de pied de porte. Des semaines sans pied de porte, c'est sûr. Non, mais pour tout vous avouer, moi non plus, j'ai pas très très bien dormi. Et... Donc ouais, je peux comprendre. Puis là, c'est long, là. Tu fais des mauvais rêves, toi aussi ? Ouais, j'ai fait un rêve bizarre cette nuit. C'était un peu étrange, c'était... Enfin, c'était... Ça n'avait aucun sens, je me retrouvais toute seule, avec une espèce de montagne devant moi, il y avait une voix féminine, enfin... Je sais pas, c'était très bizarre, c'était très réel et en même temps, ça n'avait aucun sens. Tu as vu une main aussi, toi aussi ? De quoi ? Tu as vu une main ? Une voix, tu as entendu une voix bizarre d'une femme, d'une fille? Oui. Oui, c'est ça. Et je sais pas, sur cette espèce de rocher un peu bizarre, enfin, il y avait une espèce de forme de main, c'était un peu étrange. Et la voix me disait de poser la main dessus, et quand j'ai posé la main, je me suis réveillée en sursaut. Et... Bref, c'est rien du tout, c'est juste un mauvais rêve, ça n'a aucun sens. J'ai exactement le même rêve que toi. Quoi ? J'ai fait exactement le même rêve que toi. Je comprends pas. C'est pas possible. Eh ben, j'ai l'impression que l'inexplicable s'explique maintenant, en fait. On peut s'arrêter dans une auberge. Je me sens pas très très bien. Moi, j'ai envie de vomir. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'auberges autour de nous, mais on peut s'arrêter un moment, faire un petit campement, si vous voulez. Non, bah alors, non, on accélère alors. De raconter tout ça, vous arrivez à peu près à mi-chemin, mais notamment vous arrivez au niveau de l'embranchement où la route se sépare en deux. Si vous partez d'accord. sur votre gauche, vous reprendrez la route vers le relais du Corbeau d'Or, mais la route de Tan telle qu'elle vous a été annoncée est la route qui descend un petit peu plus vers le sud-ouest. Passer par le relais vous fera perdre peut-être... En tout et pour arriver à Tan, vous fera perdre à peu près une demi-journée. Mais mais vous avez okay. peut-être très peu d'écart avec vos mentors. Et il est toujours possible, effectivement, de faire un... Écoutez, si vous voulez vous arrêter, je vous propose qu'on se arrête sur le bord de la route, qu'on prenne un peu de temps pour se reposer. Mais faire un détour jusqu'au relais, ça me paraît une perte de temps. Non, non, effectivement. Je pense qu'il vaut mieux tracer à Tan. Je pense que je vais réussir à... Je pense que je vais réussir à tenir. Quelqu'un a pas une petite gourde d'eau ou quelque chose ? Bien sûr. Et je lui envoie une gourde d'eau que j'ai. Oh, merci. Étant donné que je suis érudit, j'ai donc une aptitude de culture générale. Est-ce que le fait qu'ils aient fait des rêves communs, éventuellement ce qu'ils m'en disent, ça peut me parler, m'évoquer quelque chose ? En l'état, non. Non. Ils ont fait un rêve. Commun, c'est surprenant, mais c'est peut-être déjà arrivé. J'ai aucune idée dans mes études de magie si ça peut être une trace de phénomène magique, le fait de faire des rêves communs identiques. Ça peut être une trace de magie, effectivement. Maintenant, ça reste juste un rêve, et c'est peut-être un peu tôt pour le dire. Si éventuellement ça venait à se reproduire, pourquoi pas. Okay. Là, ils ont juste fait un rêve en commun. Est-ce que ils sont pas aussi un peu synchronisés avec des aventures communes et ça peut être ça. Ok. Continuons ça. En direction du sud-ouest. Depuis le départ de Norpont, le temps est maussade. Hein. Ça fait plusieurs jours maintenant. Et plus vous avancez dans la journée, et plus le temps se couvre, à tel point qu'à midi, le ciel est extrêmement bas, extrêmement gris. Et un rideau de pluie s'abat sur vous. Et vous oblige à presser le... Oh ! Putain, pardon, je déteste ça. Oh ! J'ai jamais aimé ça, la pluie. C'est nul, ça sert à rien. C'est la grosse averse. Et vous continuez comme ça, sur une petite demi-journée de route. Grâce aux chevaux, vous avez considérablement raccourci le temps de trajet.
Néanmoins, la route est très peu praticable aussi et vous n'avancez pas aussi vite que vous le voudriez. C'est simplement en fin d'après-midi, vers la tombée de la nuit, que vous atteignez les collines et le vallon qui mènent au village. Vous êtes trempé, l'air est humide, vous commencez à attraper froid et vous suivez cette unique route qui vous emmène à travers les collines et à travers le vallon. Et vous arrivez devant un petit village qui est tellement petit que vous ne pourriez même pas considérer ça comme un village, pour le coup. C'est plus un hameau, un petit bourg. Il y a quelques bâtiments, 5 ou 6 tout au plus. Ils sont faits de torchis, c'est du matériau de très faible qualité, avec des toits de paille. On sent que le village est extrêmement pauvre. Vous voyez quelques petites maisons avec un soubassement en pierre, qui indique peut-être que certains sont un peu plus riches que d'autres, mais de manière générale, le village respire la pauvreté. C'est Satan. Ah, je suis très déçu. Vous voyez quelques petits habitants. Vous pouvez les voir sur Foundry d'ailleurs. Vous voyez quelques habitants avec des vêtements usés pour la plupart. Très bien. Bah, je descends du cheval et je m'avance vers la place un peu. Enfin, je rentre dans la ville, quoi. Enfin, dans le village. Bah, on te suit tous, de toute façon, on rentre tous dans le village. Ouais. Quand vous arrivez dans le village. Est-ce qu'il y a quelque chose. Quand vous arrivez dans ce village, alors est-ce que c'est le voyage avec le temps, puis la fatigue qui commence à se faire un peu sentir, puisque vous avez quand même voyagé à dos de cheval toute la journée, mais vous sentez un peu mal à l'aise. Le village a des allures de village fantomatique. Avec ses habitants, il y en a très peu, mais vous les voyez marcher, la tête basse, le pas lourd, avec des haillons en guise de vêtements. Ils traînent des pieds, ils ont l'air de vaquer à leurs occupations. Et vous voyez une espèce de petite brume constante qui vous enveloppe partout au niveau du village. Et cette ambiance vous pèse un petit peu. À tous les coups, je vais attraper le Divoc. Quoi ? Le Divoc, c'est un virus apparemment qui circule dans la région en ce moment. Le Divoc. C'est possible, à défaut d'un virus, il y a de fortes chances pour que vous puissiez au moins attraper froid. Oh non. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble à une auberge ou non, un endroit où on peut s'arrêter pas. Il n'y a quasiment que des maisons et des fermes. Vous voyez en revanche une écurie qui est le bâtiment... qui est le bâtiment ici, je ne sais pas si vous le voyez bien. Là où vous avez... Attends, lequel ? Ouais. Ok, ouais, d'accord. Ici, ouais. Vous avez une écurie qui se trouve ici. Quelques petits cabanons ici, en l'occurrence. Un petit... Hop, pardon, j'ai un petit décalage. Le petit cabanon, un petit cabanon qui se retrouve là. Mais surtout, tout le reste ressemble à des bâtiments. Alors, celui-ci ressemble à un bâtiment un peu plus haut de gamme que le reste. De la même manière que celui de gauche. Vous avez des bâtiments un petit peu plus grands. Toujours très pauvres, mais en tout cas un peu mieux entretenus. Mais ça reste des habitations dont les portes sont closes. Et au centre du village, en fait, le village entoure un grand arbre. Et ça, c'est la première chose que vous avez. Vous arrivez par le sud, hein, pour information. Vous arrivez par ici, sur la carte. Ok. Vous avez serpenté à travers les collines pour arriver là. Et vous voyez cet arbre, ce grand arbre. Et il est très commun dans les villages d'avoir un arbre, puisque les habitants de Pangée vénèrent les dieux, mais vénèrent des entités. Et très souvent, vous trouvez des arbres qui sont bien entretenus, qui sont là pour les prières, puisqu'il n'y a pas spécialement de lieu de culte. Et la première chose qui vous attire l'œil lorsque vous arrivez dans ce village, c'est la tête de cet arbre, puisque c'est un grand chêne, un vieux chêne. Et Anthony vient de changer d'angle. Exceptionnel. Ce chêne, ce qui vous surprend, c'est qu'il semble malade. Vous voyez que les branches sont toutes tordues, les feuilles
ne sont pas vertes mais tirent très rapidement vers le blanc. Et au pied de cet arbre, là où vous trouvez normalement un autel, vous voyez une vieille pierre brisée, posée à même le sol. Il n'y a absolument rien derrière. Est-ce que vous pouvez tous me faire un jet d'histoire, s'il vous plaît? De nature ou d'investigation, excusez-moi. Eh bien sûr. Ah. J'ai d'investigation. Investigation. Ouh, ça va faire beaucoup ça. Oh, oh bah dis donc. Oh bah dis donc. J'ai fait 20 de plus que Corée. Bah moi je suis en train de tomber malade, donc moi j'investis. C'est exactement rien du tout, là. C'est exactement ce qui se passe. Je ne vois pas Vince Cold, mais tu peux me dire combien tu as fait. Ouais, moi j'ai fait 10. Je vais lancer à la main parce que le site, ça rame chez moi. Ok, tu as fait 10. Eh bien, à part Corée qui effectivement commence un peu à prendre froid et ne fait pas spécialement attention à ça, ça vous interpelle. Puisque vous savez qu'en général, c'est pour les petits villages, comme je le disais, un lieu de culte. Et vous voyez qu'il n'y a pas de prêtre autour. La base de l'arbre et la base de l'hôtel renversée est complètement envahie par les ronces. Et votre premier réflexe, c'est de vous dire que ces gens n'ont aucun respect pour les dieux. Et c'est étrange, puisque surtout dans un village de fermiers comme celui-ci, puisque vous constatez que les différents bâtiments que vous voyez, ce sont des fermes. Sur un village de fermiers comme celui-ci, en général, les gens sont plutôt du genre à prier les dieux pour avoir de bonnes récoltes. Je vais m'approcher de l'arbre. Et je vais essayer de voir dans quel état il est, s'il a une maladie ou quelque chose. Puis juste pas entre. Ouais, via ton test de nature. Je fais un test d'investigation, mais. Peu importe, c'est pareil. D'accord. En fait, il te paraît simplement pas entretenu. D'accord. Mais néanmoins, il te paraît étrangement malade. Un arbre pas entretenu pourrait normalement survivre de lui-même. Là, tu constates que. Mais d'un autre côté, ça va aussi avec l'ambiance générale du village. Tout est très gris, très sombre, il pleut. Il fait froid quand vous parlez les uns les autres, vous avez de la buée qui sort un petit peu. N'oublions pas que nous sommes en début d'année, hein, l'équivalent du mois de janvier éventuellement pour nous, donc il fait encore très froid. Même si vous êtes couvert pour la plupart ou d'armure ou de peau de bête ou de vêtements en cuir qui permettent de vous protéger du froid, vous restez quand même sous la pluie et relativement fréquentiel comme ça. C'est étonnant et je trouve ça totalement irrespectueux vis-à-vis des dieux. Mais pour l'instant, ça s'arrête là. Du coup, je me mets en route vers l'écurie. Okay. Moi aussi. Vous voyez que les gens vous voient arriver et vous regardent l'air méfiant, pour la plupart. Vous constatez notamment un petit groupe de gens qui vous observent, trois jeunes hommes assez costauds, qui vous regardent, les bras croisés, le regard dur. Ils ne disent rien, ils restent en place, au milieu du village. Ils vous observent. Et quand il vous voit vous diriger en direction des écuries, l'un des jeunes hommes arrive et vous interpelle. Je peux savoir ce que vous faites ? Bonjour. On cherche un endroit pour s'abriter. On vient de faire un long voyage. Peut-on mettre nos chevaux à l'écurie ? Nos chevaux ont aussi besoin de manger. Est-ce que... Pour une nuit, nous pouvons laisser nos chevaux ici. Et vous arrivez d'où comme ça? De Norpon. De Norpon. Intéressant. Oui. Intéressant. Et où est-ce que vous allez comme ça? Il n'y a rien à faire à Tan. Eh bien, nous sommes des voyageurs. Nous faisons que passer. Ça ne me dit pas où vous allez. Nous allons un peu plus au sud. Au sud. Et vous voyez, pendant que cette personne est en train de vous parler, vous voyez que derrière lui s'approche un monsieur,
plutôt imposant, plutôt fort. Le crâne un peu dégarni. Un visage faussement joué et qui s'approche, un peu bedonnant. Galemnus, Galemnus, voyons. Est-ce comme ça que je t'ai appris à traiter des invités ? Ces voyageurs ont passé une dure journée et puis le temps est gris comme tu peux le constater, il pleut. Peut-être pourrais-tu aller ranger leurs chevaux ? Et vous voyez le jeune homme qui se retourne et qui vous fait... Très bien, père. Il vous prend les chevaux, il les emmène en direction de l'écurie. Et dans cette écurie, vous voyez qu'il y a déjà des chevaux. Il y en a quatre. Deneb. Okay. Il y a une charrette. Tu ne vois pas de charrette. Mais tu vois que ce sont des chevaux de trait. Pas des chevaux de route. Ce sont d'accord. Des chevaux de trait. Très bien. Qui vient de se passer ? Ça s'engueule dehors. Parfait. Et bah vous voyez que cette ambiance comme ça de casse un petit peu le rythme de tout le monde. Deneb, toi qui t'es le plus approché, bien que tu ne connaisses pas nécessairement les chevaux, que ça ne soit pas spécialement ta passion, tu vois qu'ils sont d'une qualité exceptionnelle. Ce sont de très beaux chevaux. Bah, je le dis au gars. Belle bête. Hein. Je vous remercie. C'est les seuls que nous avons, on essaie de les garder en bonne santé. Vous faites du bon travail, visiblement. Ouais, je sais. Il rigole un peu. Fais-moi un petit jet de perspicacité. Un petit jet de perspicacité, tout à fait. Perspicacité. Eh bien, ça fera 15, je crois. C'est ça, 15. Tu t'as remarqué dans son rire. T'as l'impression qu'il parlait pas des chevaux. Quand il a dit ça. Ok. Moi je lui dis. En tout cas, merci pour votre accueil. Apparemment, toutes les parties du village n'ont pas la même qualité d'entretien que ces chevaux. Peut-être pouvons-nous vous aider. Nous aider ? Que proposez-vous ? Mais si vous le permettez, nous pourrions peut-être aller chez moi plutôt que de discuter sous la pluie. Oui, c'est une bonne idée. Volontiers. Vous avez du pied de bord. Il a l'air un peu surpris par la question. Il fait, écoutez, nous avons des ports, peut-être. Je peux toujours demander, je peux toujours aller voir. Et il vous emmène dans la maison qui se trouve ici, la grande maison. Je tiens un peu la cape d'Aldine, je lui dis, Aldine. Attends quand même qu'on soit posé avant de demander ce genre de choses. Bah ça se demande toujours avant, sinon ça sert. Non. Oui mais là on n'a pas 36 endroits où aller. Posons-nous, voyons quelles sont les intentions de ces gens et voir déjà si on peut récupérer de la nourriture. Et effectivement on verra si les pieds de bois. Moi une bonne soupe et de la bière ça sera écoutez, très bien. Je verrai ce que nous avons en cuisine. Mais venez avec moi. Et vous arrivez dans cette demeure qui, contrairement au reste et à l'extérieur, a l'air déjà d'être un peu mieux entretenue. Alors on n'est pas sur de la qualité de Norpont, très clairement, mais on est sur un bâtiment un peu plus au standing. Il passe devant vous, et puis il enlève son manteau, et puis il se retourne, il vous invite dans la pièce qui sert de salon. Il vous dit, je ne me suis même pas présenté, je m'appelle... Kindamaris, je suis le Keftos du village. À qui ai-je l'honneur ? Enchanté. Eh bien, je me prénomme Deneb, je suis un étudiant de l'Akadama, plus à l'ouest d'ici. Mes compagnons et moi-même, un apprenti. Voilà, je voyage avec mes compagnons, que je vais laisser se présenter eux-mêmes. Et nous, très bien. Et bien les jeunes du village ont l'air très agités. Oui, apparemment, il y a un peu de bruit dehors. Je vais faire le nécessaire pour cela. En tout cas, mes respects, Kindamaris, et merci de votre accueil. Je m'appelle Vince Cold, et j'ai suivi un enseignement de paladin dans un temple. Paladin, c'est une très belle armure que vous avez là. Je vous remercie. Oui, très bien entretenue, très belle. Elle doit valoir cher, non ?
Oui, voyez-vous, il est assez rare que des gens de ma stature rejoignent cet ordre. Il a donc fallu procéder à certains ajustements. Je comprends tout à fait. Et vous, chère mademoiselle? Oui. Moi, je m'appelle Corée. Oui, enchanté. Oh, je vois que vous avez froid, mais j'en perds mon sens de l'hospitalité. Un peu. Et vous le voyez qui se retourne? Arisbe, viens ici. Et vous voyez une jeune fille, 12 ans, 13 ans, pas plus, qui arrive, tremblotante, toute frêle, menue, habillée très, très, très faiblement par juste une toge serrée à la ceinture par une petite ceinture en corde. Et elle s'approche et fait « Oui, père, que puis-je faire pour vous ?»« Toi et ta sœur, allez chercher de la soupe et du pied de porc. Nos invités ont faim. Et dépêche-toi !»« Oui, père, bien sûr, tout de suite, tout de suite. » Et vous la voyez partir en courant. Ce sont tout vos à fait, filles ce... Enfin, votre ce, fille c'est ma fille. Ma femme est morte... Il y a des années, hein, un tragique accident. Et depuis, je les élève seuls. Ah. Je suis désolée de l'apprendre. C'est fort aimable. C'est fort aimable. Mais je vous en prie, installez-vous. Nous allons manger dans très peu de temps. Que faites-vous, Atan? Puis... Bah écoutez, on cherche principalement des gens... qui normalement sont passés par ici. Mais je n'ai vu personne récemment. Vous n'auriez pas vu par hasard un groupe de 4 personnes avec un grand tieflin? 4 personnes, un grand tieflin? Non, ça ne me dit rien. Vous savez, nous sommes un petit village reculé et la forêt est la seule chose qui nous sépare du reste de la civilisation. Donc il y a très peu de gens qui viennent par ici. Très peu. Est-ce que, peut-être, vous avez entendu parler de quelqu'un qui aurait besoin d'un miroitier, d'un miroir ou de quelque chose en rapport avec l'art de la miroiterie dans ce village? Non, 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 écoutez, ça n'est pas le genre du village de se reluquer. Les gens ont du travail, ils n'ont pas le temps pour ça. Non, non, de miroitier, ça ne me dit rien. Miroitier, vous recherchez, très intéressant. Nous cherchons des gens, des connaissances à nous, et nous avons enquêté à Norpon auprès d'un miroitier qui semblait avoir dans son carnet de commandes un nom pouvant provenir de votre village. Enfin, une commande provenant de votre village, plusieurs commandes provenant de votre village. Quelqu'un dont le prénom commencerait par C. Par C? Mais, non, écoutez, au village, personne n'a de prénom commençant par C. Non, je ne crois pas. Écoutez, ça ne me dit rien. Et de toute manière, je suis le Keftos, encore une fois. Donc les gens viennent à moi lorsqu'ils arrivent au village. Et vous le voyez qui sourit. Un sourire un peu carnassier. Charmant. Peut-être que ça commençait par la lettre C et pas par C. Hein? J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il dit? On a dit que ça commençait par la lettre C, pas par C. Oh putain! Aldine! Pardonnez mon ami, il n'a pas très bien dormi la nuit dernière. Je lui pardonne totalement. HRP Keftos, c'est K-E-P-H-T-O-S. Ouais. J'ai eu un petit bug, j'ai pas pu répondre à ton message. D'accord, bah c'est super. Et donc le Kefto, je suppose que c'est le chef du village. Oui, vous connaissez pas les Keftos, c'est étrange. Oui, oui, le Kefto, c'est le chef du village. Chaque village a son propre Keftos, élu par ses propres villageois. C'est... J'ai été élu il y a... Excusez-moi, monsieur, je ne vous ai pas entendu. J'ai dit que je connaissais les Keftas, mais c'était autre chose. J'ignore de quoi vous voulez parler, cher monsieur. J'ignore de quoi vous voulez parler. Mais une chose est sûre, c'est que nous pourrions vous trouver du pied de porc. Laissez-moi quelques instants, je vais aller voir où sont mes filles. Il se lève
Et vous voyez aller dans une pièce à part. Et une porte se ferme. Et vous entendez du bruit. Comme s'il parlait fort. Et puis il revient. J'espère qu'il va il rouvre la porte. Il revient avec un sourire satisfait. Eh bien, figurez-vous que nous avons du pied de porc. Oh. Ça sera votre repas de ce incroyable. Soir. Acceptez-vous de partager notre repas? Bien sûr. Je vais à table tout de suite. Très bien. Oui, moi je mangerai pas personnellement. Je me sens pas assez bien. Tu manges du pied de porc. Depuis longtemps, tu dis que tu voulais goûter. Alors, il faut que tu goûtes le pied de porc. Non, là, je me sens pas de manger du pied de porc. Non, je vais juste me contenter d'un petit truc, c'est rien, ça va aller. Tu peux prendre ta part? Hein? Tu peux prendre ta part? Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Kinda Maris, vous avez plusieurs enfants? Je ne t'entends pas. J'ai deux filles, tout à fait. Vous pouvez m'appeler Kin. Damari, c'est mon nom de famille. J'ai deux filles. Vous avez que deux filles? J'ai deux filles, mais c'est déjà beaucoup, vous savez, pour un homme seul à élever. Je sais. Mais le jeune homme dehors, oh, Gallimnus, pourquoi il vous a appelé? Je suis plus un modèle, mais je ne suis pas réellement son. Je ne suis pas réellement son père. C'est un des enfants Thessalides, un jeune garnement. Oui, le Thessalide, c'est une famille. Leur maison est de l'autre côté du village. D'ailleurs, je vous ai dit une bêtise, pardon, excusez-moi, mais vous vous êtes retrouvé. Hop. Vous êtes ici. Pardon. Ah, ok, d'accord. Voilà, excusez-moi. Je vous ai encore dit une bêtise. Ok. Et vos deux filles, elles s'appellent comment? Elles ont quel âge? Elles ont l'air adorables. La plus jeune que vous avez vue tout à l'heure est Aris B. Elle a 13 ans. Et j'ai une fille plus âgée qui s'appelle Nessae, de 17 ans. Depuis pas très longtemps, d'ailleurs. Ce sont les joyaux de ma famille. Sans elle, je serais perdu. Elle m'apporte joie et réconfort alors, depuis la mort de ma femme. Arisbe? Arisbe. A-R-I-S-B-E. Et Nessae. N-E-S-A-E. D'accord. Et Aris B a 12 ans. Mais je comprends, elle est petite, elle est menue. Aris B, tu viens? Et vous la voyez arriver. Oui, père, désolé, j'arrive. Et vous la voyez porter un plateau qui est beaucoup trop lourd. Ses mains sont un peu tremblantes. Et vous voyez 5 plats avec du pied de porc, ainsi qu'un peu de soupe et un gobelet. Oui. Attends, je vais t'aider. Je vais le faire. Je vais le faire. Il le faut. Je dois le faire. Ok. Merci, fille. C'est très gentil. C'est très aimable à toi. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Tu peux y aller maintenant. Merci. Et amène-moi ta sœur. Oui, père. Elle aussi est vêtue avec une espèce c'est de toge légère. D'accord. Voilà. Du coup, bah, je me retourne vers Kin, je dis elles n'ont pas froid comme ça. On est arrivé, on a eu vraiment très froid avec des habits de route. Je m'inquiète quand même pour leur santé. Vos filles n'ont pas froid. Un peu choqué par ta question, il fronce un peu les sourcils, fait non, elles sont très bien comme ça, cher monsieur. Et puis, elles pouvons faire un feu de cheminée lorsqu'elles ont froid. Elles sont totalement libres de faire ce qu'elles veulent. Et puis, à ce moment-là, vous voyez une deuxième jeune fille qui ressemble à la première. Deux filles brunes, des longs cheveux un peu sales. Mais la deuxième est un peu plus grande. Et vous voyez qu'il la prend par le bras, il la tire assez violemment. Mais, Nessae, est-ce que t'as froid? Non, père. Non, tout va très bien, père. Et voulez-vous que je vous fasse du feu, père? Non, tu peux y aller. Et rapporte-moi à boire. Très bien. Très bien. Et vous la voyez repartir. Faites-moi tous un jet de perspicacité. Ou d'investigation. Oh bah. D'investigation, plus que de perspicacité. Pardon. Investigation. Putain. Oh. Mais c'est pas bonjour, quoi. Oh. Double c'est moche. Yes. Alors pardon, je vais juste vous remettre votre interface. Ah, aïe. Donc. Hop. Ah, je fais quand même mieux sur un fumble qu'Aldine qui ne fait pas fumble. Mais...
Ouais. Hop là, pour que vous puissiez tous voir ce qui se passe exactement. Ah, ça y est, ça a marché. Hop là, nous avons donc deux fumbles de Corée et de Deneb. Et de... Ouais. Pourquoi t'as fait deux fois? Qui? Ah non, Tony, t'as fait combien toi? Moi j'ai fait... Moi je vois un 12. T'as fait 12 sur le dé. C'est quoi, c'est investigation? T'as fait 12. Ok. Eh bien, les autres, vous... mis à part Vince Cold, vous ne savez pas si c'est lié à... à la fatigue, au froid, il commence à faire un peu tard. Hein. Mais vous installez confortablement dans les fauteuils et vous affaissez petit à petit. Vous regardez pas spécialement. Vince Cold, toi tu analyses un petit peu plus la situation. Et tu regardes les filles et t'as l'impression de voir à travers le voile de leurs vêtements comme des traces. Comme des traces de coups. Mais je vous en prie, okay. Mangez donc. Mangez donc. Ouais, moi, tout à fait. Déjà, de toute façon... ça se voit, je pense. Pardon, je sais pas, attends. Moi, de toute façon, je commence à être trop dans le coltard, etc. Et puis, en fait, il me terrifie, en fait. Genre plusieurs fois, quand il a mal parlé aux jeunes filles, moi c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et donc, en fait, moi il me terrorise, donc je peux rien voir en fait. Je vois rien de ce qui se passe. Je remarque effectivement qu'il est méchant, mais effectivement, je remarque pas les coups ou quoi que ce soit. C'était ma justification de mon fumble. C'est exactement comme ça que ça se déroule pour toi. Moi je suis absorbé par complètement autre chose comme pensée, j'ai faim, j'ai froid, je pense à mon mentor, en plus comme il m'a un peu rembarré suite à ma question, j'ai pas trop, j'ai un peu baissé les yeux, et du coup j'ai pas du tout vu quoi que ce soit, je regardais complètement ailleurs, et du coup je commence à manger, mais légèrement, les pieds de porc, c'est pas trop mon truc, donc je gratte un peu les petits bouts de viande, mais je pense que Aldine va finir mon plat, quoi. Moi, je peux finir vos plats hein, si vous voulez. Oh non. Ok. moi je cuisine. Ah, y a pas de problème. Y a pas de problème pour ça. T'as dit, j'ai pas entendu. Je finis mon plat. Moi, y a pas de souci. Je mange complètement à ma faim. Ok. Et Corée. T'en es pas un peu. Ouais, ils sont sympas ici. Hein. Bah écoutez, j'ai l'impression que vous appréciez ce plat. Ça me fait bien plaisir. Est-ce que vous avez une bière en plus? Bien sûr. Aris Bay, oh. Va chercher de la bière. Oui, on est père, tout de suite, père. Bien sûr, père. On est. Vous savez où on va dormir? Mais bien sûr. Vous pouvez dormir chez moi. Nous avons une chambre en plus. Mes filles dormiront ailleurs ce soir. Ça ne pose pas de problème. Non, mais vous inquiétez pas, on peut dormir pas, ailleurs. Ils dormiront ailleurs ce soir. Vous pouvez prendre leur chambre. D'accord. Okay. Et je vous en prie, faites donc. Vous êtes sûr que non, ça vous dérange pas, hein, parce pas. Que là, c'est le. Allez, s'enchaîne. Allez, bien sûr, il nous reste encore un peu de pied de porc, vous en voulez? Mort. Avec plaisir. Tout le plaisir est pour moi, voyons. Tout le plaisir est pour moi. Essayez. Viens ici. Et vous voyez la jeune fille, la plus âgée, qui arrive encore. Oui, père. Aris B est parti chercher de la bière comme vous l'avez ordonné. Mais voulez-vous autre chose? Va me chercher du pied de porc. Notre invité a faim encore. Évidemment, t'en as pas fait assez. Comme d'habitude. Bonne à rien. Oh non, c'est non, que mais j'ai ne faim, l'excusez mais... pas. Ne l'excusez pas. Il faut bien éduquer les enfants, vous savez. Dépêche-toi, Aris. Dépêche-toi, Nessay. Oui, père. Tout de suite, père. Et là, je me rapproche un peu de Vince Cold, tu sais, je fais un espèce de... Ouais. Vince Cold, j'ai peur. Et donc, vous arrivez de chacun d'endroits bien différents, il me semble. Mais ces personnes que vous recherchez, pourquoi les recherchez-vous exactement? Ce sont des amis, on va dire. On devait se retrouver pour partir... vers le sud, et ils n'étaient pas au rendez-vous. Nous avons suivi leur piste.
Très bien, je comprends. Vous devez être fatigué. Je vais faire préparer vos chambres et vous pourrez y passer la nuit. À moins que vous ne souhaitiez faire un tour au village. Peut-être que vous, jeune fille, vous me paraissez un peu pâle. Auriez-vous besoin de prendre l'air? Un peu de... Non, ça va aller. Je vais rester avec vous êtes mes sûr compagnons. Il me semble que la pluie s'est arrêtée. Il fait un peu frais, mais à cette période de l'année, l'air frais peut être vivifiant. Vous pouvez être accompagné, je peux je l'interromps avec un air un peu sec et je lui dis « Je vous remercie, mais nous avons besoin de nous reposer maintenant. » Je ne voulais pas vous offenser, ne vous inquiétez pas. Moi, par contre, si... merci pour votre hospitalité. J'aimerais aller récupérer quelques affaires avec mes chevaux. Est-ce que quelqu'un pourrait nous aider? Enfin, je ne voudrais pas abuser en demandant à l'une de vos filles qui ont déjà l'air très occupées. Mais est-ce qu'elle pourrait éventuellement nous aider à ramener quelque chose? Mes filles ne vont pas aller dehors avec ses propres vêtements. Je vais demander au jeune Thessalie de venir vous aider. Ce sont de braves garçons un peu rustres, mais ce sont de braves garçons. Ils habitent la ferme un peu plus en contrebas. Je vais aller les rejoindre. Et donc, vous le voyez sortir de la pièce, sortir du bâtiment, et se diriger en direction de cette grande maison-là, celle où je m'étais trompé initialement. Ok. Ok. Il me fait peur, j'ai peur de lui. C'est quoi ce mec? C'est un monstre. Comment il traite ses filles? Oh, il est un peu rustre, mais la bouffe est bonne, hein. Il y a vraiment quelque chose de pas net avec lui. Mais Aldine, arrête de penser qu'à bouffer. Non, mais c'est dingue. Attends, c'est des pieds de poire. Ça fait quand même des semaines que j'en attends. T'as fait une drôle de... Ouais. Je pense que les choses sont peut-être encore plus graves qu'elles n'en ont l'air. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas entendu ce que t'as dit. C'est effectivement, en fait, t'es en train de mâcher, t'es avec tes pieds de porte, t'es en train de... Tu t'en fous partout, c'est en train de dégueulasser ton armure. Je... Loin de moi l'envie de manquer de respect à un Kephtos, mais j'ai l'impression que l'attitude envers ses filles est encore plus violente lorsque personne n'est là pour la voir. Oh non. Oh non. Faut les aider. Je pense qu'on ne va pas pouvoir enquêter maintenant. On ne va pas pouvoir leur poser de questions. Ils ont l'air très fermés sur ce qui se passe entre eux. Je vous propose qu'on enquête un peu plus cette nuit, qu'on pourra être plus discret. J'ai une petite idée, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Pour l'instant, remercions-les de l'hospitalité. Allons coucher. Et essayons de... Oui. T'as pas un petit sort là pour me requinquer un petit peu, tu sais? Parce que je me sens pas très très bien. Je regarde un peu autour de moi. Il y a personne, il y a plus personne dans la pièce. Il y a plus personne, mais les deux filles sont encore dans la maison. Oui. Je tends ma main vers Corée, vers son ventre, enfin vers sa poitrine, sans la toucher. Tu fais des attouchements. Et tu vas sentir un peu tout ton torse sur environ 30 cm, en gros de ta gorge jusqu'à ton plexus, qui se réchauffe un petit peu. Je peux pas faire grand chose de plus, mais j'espère que ça peut te soulager. Ça va bien mieux, merci. Merci beaucoup. Tiens, prends du pied de porc, c'est bon. Non, définitivement, Aldine, là, tu m'as dégoûté à vie des pieds de porc, je crois. En fait. Regarde, il t'en reste sur ton plastron, là. C'est quoi, ce travail? N'importe quoi. Aldine, enfin. Je croyais que t'étais noble. Ça se voit pas, là. Ouais, mais là, c'est la fin qui a un peu tout dégoûté. Voilà. Bref, il n'y a plus de noblesse quand il y a la fin. Je vois ça. Et c'est à cet instant que vous voyez Kin rentrer dans la maison accompagné d'un autre jeune homme que vous n'aviez pas vu, un petit peu plus jeune que l'autre. Il vous dit « Je vous présente Nelpus. C'est un des enfants de la famille Thessalide, comme je vous le disais. Il va vous accompagner, cher monsieur, à travers le village. »
Mais je vous... Merci beaucoup. Tu veux que je vienne avec toi, Vince Cold, ou ça va aller? Si tu as des affaires à récupérer sur tes chevaux, sur ton cheval. Si tu te sens mieux, oh sorti. Oui, je suis idiote, j'ai complètement oublié la gourde de Deneb. Bien, allons-y. Vous pouvez prendre nos affaires en même temps. Alors juste, pour, à titre d'information, qu'est-ce que vous avez sur vous et qu'est-ce que vous allez rechercher? Alors, dans la... Avec moi. Mais j'ai tous mes sacs et tout sur okay. Dans la vraie vie du monde, c'était un énorme prétexte, mais j'ai quand même deux trois trucs au niveau des chevaux. Ouais, essentiellement, bon, ce qui ration, on en a plus besoin. Mais ouais, non, là, j'ai mon armure. J'ai juste mon équipement. Okay. En fait, vous avez, parce que lorsque vous voyagez, vos armes, vous les laissez sur les chevaux normalement, hein, pour information. Ouais. Moi, en soi, j'ai toujours mes deux poignards, mais effectivement, je n'ai pas mon arc, donc il faut que je la récupère. Bon, après, vous êtes là pour passer la nuit, hein. Si. C'est vrai. Mais il y a la gourde de Deneb, et ça, c'est important. C'est vrai que c'est important. C'est une gourde qui est très chère, et dans laquelle mon maître a bu. Qui a toujours sa salive autour du cou. Il y a laissé son ADN, à mon dieu. Moi, j'ai pas mon arc. Voilà. Okay. Sur son cheval. De quoi? Ouais, je pense qu'on a laissé les armes sur les chevaux. C'est surtout qu'en voyage, pour plus de confort, et comme l'a dit Corée, les selles, c'est pas non plus hyper agréable pour passer une journée entière à cheval. Par confort, tout ce qui est armes, vous mettez dans des sacoches sur les côtés des chevaux. Hein. Vous gardez pas les épées sur le dos, les haches et tout ça. Alors après, vous les sanglez sur les côtés. Après, vous avez pu les récupérer en descendant par réflexe. Et auquel cas, c'est vous les portez avec vous. Toi, pour le coup, t'as une grande épée à deux mains. Très clairement, tu l'as pas gardée dans ton dos pendant tout le temps. Hein. Pour moi, alors à moins que tu me dises le contraire, pour moi, tu l'as laissée dans ton paquetage à côté. À moins que tu la gardes avec toi et que tu la gardes toujours à la main, que tu l'aies posée dans un coin en arrivant. Ouais, je pense que je l'ai gardée à la main et je l'ai posée dans un coin. D'accord. En général, je récupère ma rapière dès que je... Je sais que c'est safe. Dans les villes, je l'enlève parce que je sais que je l'enlève. Par contre, là, comme ça, à HRP, je sais pas trop si dans un village, quand je débarque comme ça, ça se fait plutôt de laisser ses armes ou étant donné qu'on est de passage, je peux la garder sur moi. Imagine aujourd'hui, tu arrives dans un village, tu es armé. Tu vois, c'est pareil. Ah bah, tu te fais arrêter par la police. En fait, tu te fais arrêter par la police. Après, t'as pas de police, mais t'as des milices locales ou t'as des gens qui sont là pour assurer la sécurité. Donc. Globalement, j'ai dû laisser ma rapière. Par contre, j'ai quand même ma dague parce que j'ai toujours une. Le principe de la dague, c'est que je la garde toujours chez moi. Quoi. D'accord. Okay. Ouais, bah c'est comme moi, mes deux petites dagues, effectivement. Mais j'ai pas mon arc. Je pense que j'ai pris mon sac de voyage direct. J'ai pas un énorme barda, mais mon sac de voyage, je l'ai sur moi. D'accord. Qui contient notamment mon grimoire. Ok. Bon, dans tous les cas, une fois que Kin vous a présenté Nelpus, vous le voyez qu'il vous attend, comme ça. C'est pour un gamin d'une quinzaine d'années, il est assez imposant. Un peu comme l'autre que vous avez vu. Hein. D'ailleurs, il y a des ressemblances. Hein. Très clairement, vous voyez qu'ils sont frères. Et il vous attend. Et vous vous levez pour partir. Et lorsque vous quittez la pièce, tous les deux, Deneb et Aldin, vous restez à l'intérieur, du coup, si j'ai bien compris. C'est ça. Okay. Vous voyez Kin qui se lève à nouveau, qui s'époussette un peu. Qui vous dit, écoutez... La chambre est à l'étage, mes filles vont vous montrer où vous souhaitez où vous pouvez dormir. J'ai encore quelques affaires à régler en ville, mais je vous en prie, faites ici comme chez vous, ma maison et votre maison, comme on dit. Et vous voyez qu'il part avec un petit sourire en coin, il s'époussette un peu. Il se retourne vers ses filles, et essaye, Arisbe. Je compte sur vous. Oui, père, nous prendrons soin des visiteurs, père. Comme vous nous l'avez ordonné, père. Et vous voyez qu'il prend son manteau et il claque la porte. Aldin, Deneb, que faites-vous? Moi, je me dirige vers la chambre. Enfin, j'attends que les filles me dirigent, en tout cas moi, vers la chambre. Et si c'est le cas, je les suivrai. Okay. Bah, du coup, effectivement, elle vous parle pas beaucoup. Maintenant, vous remarquez tous les deux, parce que vous les côtoyez, vous êtes vraiment juste à côté, vous remarquez vous aussi
des traces comme des bleus sur leurs jambes, sur leurs bras. Vous voyez qu'une des filles a une mèche de cheveux noirs qui coule le long du visage. Et à chaque fois qu'elle donne un petit coup comme ça, vous voyez une petite trace brune au niveau des yeux. Vous tombez souvent ? Étonnez, j'adore. Oui, la maison est ancienne et il y a beaucoup de travail et parfois il nous arrive de tomber. Merci beaucoup, monsieur, de poser la question. Mais c'est à quelle fréquence que vous tombez ? Oh, bien. Genre, non, ou... Bien trop souvent, bien trop souvent. C'est pourquoi ? C'est parce qu'à chaque fois que vous glissez ou c'est parce que vous faites une bêtise ? Oh, vous savez, ça n'est que de la maladresse. Hein. Ça n'est que de la maladresse. Maladresse pour vous ? Oui, bien sûr. Fais-moi un jet de perspicacité. C'est insight, hein, ça. Ouais. Oh, joli. Ouais. Bon, t'as très bien compris. Effectivement, t'as bien compris en voyant la trace des bleus un peu partout, puis l'emplacement surtout, qu'elle ne tombe pas. Et puis de toute manière, de ce que tu as vu depuis le début du repas, tu vois que même sur des plateaux extrêmement lourds, elles arrivent à tenir l'équilibre et à porter. Et tu as très bien compris que quelqu'un pouvait être un peu violent avec. Bah, c'est mon cul, oui. Et elle vous amène dans la chambre. Vous vous installez. Vous posez vos affaires. Vous vous installez pour dormir ? Ouais, globalement. Elle est toujours là, elle ? Elle vous laisse rentrer, puis dès que vous êtes rentré dans la chambre, elle s'en va. Alors, juste avant qu'elle parte, je la regarde assez intensément dans les yeux. Et je lui dis merci. Merci de votre accueil. Je vous en prie. Et pouvons vous être redevables ? Et là, je la regarde vraiment intensément en essayant de lui faire passer un message. Je lui dis si nous pouvons vous être redevables envers vous, n'hésitez pas à demander. Moi, je lui dis à la fille, merci encore pour les pieds de porc, c'était vraiment bon. Et d'ailleurs, si vous tombez encore, vous nous appelez. Vous voyez qu'il y a une petite larme qui goutte. Faites-moi tous les deux un jet de charisme, juste de charisme. Ça va être bon. Qui fait qu'à moins 2 en charisme. Le charisme, alors attends, moins 100 parce qu'en fait il a plein de pieds de porc étalés là sur son plateau. Tu sais, il en reste un bout là, tu sais, comme la gencive de porc. Oh, quand même. 14 et 15, félicitations. Putain, je sens que c'est moi qui ai porté la guigne aujourd'hui. Elle vous regarde, donc c'est la plus grande hein, qui vous regarde, Nessaï. Et je lui prends la main et je lui dis vraiment, n'hésitez pas. Quand tu lui prends la main, elle la retire tout de suite. Et tu vois qu'elle se tient comme ça, elle te regarde pas trop dans les yeux. Et elle vous dit merci. Et elle se retourne, elle s'en va. Et elle se retourne une dernière minute et ne dormez pas trop profondément cette nuit. Et puis elle, vous voyez qu'elle s'en va. C'est bien compris. Ça sent le babon. Pendant ce temps, bien, je ne comptais pas dormir profondément ce soir. Pendant ce temps-là. Attends, je finis juste. Oh putain, ça va être galère pour moi parce que j'ai trop mangé. Clairement, ça va être galère pour toi. Oui. T'inquiète pas, Aline. J'ai un plan. Ah, tu me réveilles, hein, parce que là, je vais ronquer comme je sais pas quoi. Hein. C'est dommage que j'ai pas préparé de sorte de silence pour éviter les bruits de ronflement. je te tapote l'épaule. Pendant ce temps-là, Corey et Vinskold, vous êtes sortis accompagnés de Nelpus. Vous voyez que dans le village, il n'y a plus grand monde. Il fait pas encore tout à fait nuit. D'ailleurs, c'est bizarre, puisque vous avez passé un peu de temps, mais le temps est resté plus ou moins conséquent. Il n'y a pas de grosse différence, mis à part la pluie qui s'est un peu arrêtée. Il fait pas de nuit noire, vous avez pourtant passé plusieurs heures.
Du coup, c'est un peu. Vous vous dites, est-ce que je suis arrivé sur les coups de 16h, 17h, mais qu'il faisait nuit tout de suite, ou est-ce qu'on arrivait beaucoup plus tard? C'est un peu dur à dire. Et dans le village, il n'y a pas grand monde, si ce n'est 2-3 badauds qui vous regardent, un peu intrigués. Vous voyez notamment un jeune homme qui, en vous voyant, part en courant, et vous avez juste le temps d'apercevoir un visage un peu tuméfié, déchiré, avec une grosse cicatrice, la mâchoire un peu disloquée. Vous avez juste le temps de l'apercevoir et lorsqu'il vous voit, il s'enfuit. Bon, moi je dis à part à Vince Cold, genre, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ça a l'air bizarre. Oui, ce qui est encore plus bizarre, c'est que... Je demande à Nelpus, excuse-moi jeune homme. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres adultes dans le village? Nous n'avons vu que Kim pour l'instant. Oui, bien sûr, il y a mes parents. Il y a la vieille gardia qui habite pas trop loin. Elle habite la maison à côté de chez nous, mais c'est une vieille folle. Vous avez vu le fou et l'idiot du village, le jeune Triopas. Il est bien plus vieux qu'il n'en a l'air. Eh oui, il y a des adultes, oui. Pourquoi? J'étais simplement curieux. C'est souvent une expérience nouvelle quand on arrive dans une ville qu'on ne connaît pas, avec des us et coutumes qui leur sont propres. Oh, vous savez, les bons à rien, c'est pas vraiment des us et coutumes, mais bon. C'est un autre débat. Venez, je vous emmène à l'écurie. Il vous amène face à l'écurie. Vous voyez les 4 chevaux de trait, puis vos 4 chevaux qui sont installés là. Vous allez tous les deux me faire un jet de dressage. Est-ce que l'un d'entre vous est formé en dressage, d'ailleurs? C'est quoi? Absolument. C'est animal ouais. Handling. Non, moi j'ai plus 2, mais c'est tout. D'accord. Et Vince Cold? Non. D'accord, faites-moi tous les deux un jet de dressage dans ce cas. Donc c'est Animal Handling. Ouais. Ok. Putain, mais c'est quoi ça? Eh, franchement, Roger, tu m'as porté la poisse. Ils sont si beaux, ces dés. Magnifique. Tu les as truqués? Évidemment que je les ai truqués. C'est ça, en fait, hein. Connard. Et 8. Ok. Bon, je fais pas beaucoup mieux. Ok. Vous arrivez au niveau de l'écurie. Où vous voyez donc c'est les 4 chevaux plus les 4 vôtres et vous voyez Nelpus qui s'arrête qui lui dit c'est bon, ils sont là, prenez ce que vous avez besoin de prendre. Alors vous allez, t'as peur des chevaux, tous les deux me faire un jet de sauvegarde de constitution. Oh putain. Ah, oh, s'il vous plaît, s'il te plaît, pitié, petit dé, je t'en prie. J'ai de sauvegarde. Là, hein? Ça y est, j'ai trouvé mon pouvoir. 20 naturel et 14. Ah. Elle est jamais dans la demi-mesure, ouais. Corée. Corée, t'es un peu barbouillé. T'es un peu barbouillé, mais le fait d'avoir pris l'air, ça t'a revigoré, ça t'a rafraîchi, et tu te sens un petit peu plus remise d'aplomb. En revanche, Vince Cole, depuis que t'es sorti de la maison, t'as le ventre qui te tire, tu te sens pas bien, et tu sens un peu les jambes qui tremblent, ta vision se brouille un petit peu, et tu poses un genou à terre, t'as chaud. T'as de la sueur qui te perle partout autour. T'as envie d'enlever ton armure parce que c'est en train de t'étouffer. Vince, ça va? Et tu vas tomber dans les vapes. Vince Cold! Vince Cold! Ça répond à la question que j'allais poser. Parce que je suis immunisé contre les maladies, mais je ne pense pas que ce soit une maladie. À chercher.